Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Batman Arkham City. Ah, je suis enfin de retour de vacances et prêt à reprendre à jouer parce que ça m'a un peu manqué, je vous avoue. C'est con d'aller quelque part où on n'a pas de réseau, on n'a pas de télé, on n'a rien. Mais bon, c'était histoire de se ressourcer, on va dire. N'empêche, ça m'a fait du bien. J'avais au moins la Switch, parce que ça, on peut y jouer sans forcément avoir de télé. Mais ça a fait du bien, j'avoue. De temps en temps, c'est pas si mal. En plus, je regarde pas forcément la télévision. Donc, pas avoir de télé, c'était juste pour les jeux que c'était chiant. Mais après, voilà. Alors, qu'est-ce que c'était? On était tombé sur le coin où nos parents étaient morts. Qu'est-ce que je devais faire? Donc celui-là, je trouvais pas, ouais, le truc de la mystère. Ah oui, je devais aller chercher déjà Nora. Je crois qu'elle s'appelle, non? J'ai retrouvé Ouais, la Nora. piste de Nora. Elle est quelque... Et ensuite aller voir le Joker. Pour prendre l'antidote. J'ai retrouvé la piste de Nora. On va aller voir Nora. Je vais mettre ça parce qu'on sait jamais avec qu'il y ait des Caméras partout. snipers. Regardez là. Je sais à peu près ce qu'il faut faire vu que c'est électrifié par terre. Ça marche pas. Bah tant pis. Je pensais pas qu'il allait me voir. Ça va forcément être ici, vu le monde qu'il y a. Merde. Faut que je reprenne. Comment ils le savent? Ils ont un hélico quelque part qui survole là, ouais. Ah, ils sont trop hauts. Je pense que c'est à cause de Freeze. Il aime le froid, il paraît. Attention, c'est Batman! Regardez, Batman est là! Ah merde! Ça se bagarre par ici!
Je pensais pas que les snipers allaient me repérer tout de suite. Aïe Moi je vais crever. Tellement de snipers, on va peut-être passer par l'entrée histoire de les éliminer un par un. Tu peux mourir tranquille, Batou. Compte sur moi pour protéger Gotham. Je ferai du très bon boulot. Bon, là on reprend là en plus, oh là là. Quelqu'un va enfin nous nourrir. J'ai retrouvé la piste de Nora. Elle est quelque part dans cette zone. S'il te plaît. Bon, en plus, s'il loupe sa cible, putain, mais c'est casse-couille ça! Quoi? Tu crois pouvoir m'échapper? Tiens, une grenade! Il ne reste plus qu'un, il est là-bas. On va monter au-dessus et je vais planer jusqu'en bas pour éliminer les deux derniers snipers là-bas. Un petit indice, il a l'air d'être en bas. Foutu
Je vois personne d'autre ici. T'es le seul qui n'ait pas fait ce qu'on lui avait demandé. Alors je crois que c'est toi qui vas morfler, mon gars. Oh, pitié, non! La ferme! On va bien s'éclater. Bon bah Nora doit être là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a de... Bon sang. Y a rien à voir là-dedans. Allez, du balai. Quand je trouverai Bruce Wayne, j'aurai la récompense. Et je me casserai de cet endroit pourri. Il a lâché son arme, l'autre ? Putain, il esquive au lieu de sauter par-dessus, quoi. Voilà, enfin. Ouais, tant pis pour l'indice. Petit level up. Ou alors armure balistique, hein, parce que. Il tire beaucoup dessus. Caméra HS dans le secteur 4. C'est Batman! Je trouve un autre endroit où rentrer du coup, parce que Nora est dans le coin là. J'avais vu une autre porte là-bas. Il y a une caméra en panne dans le secteur 4. Décidément. Et pour ceux qui se disent qu'elle est là où le truc est marqué, hein, non, c'est... Regardez, c'est une espèce de bulle là qui est reliée, et c'est pour dire qu'elle est dans ce coin-là. Donc, on va voir, mais... Ah, mais là je suis totalement en dehors en fait, en plus.
pas mal d'ennemis sur ce toit. Ça pourrait être un indice. Mais... Putain. Je comprends pas. Il donne des coups dans le vide alors qu'il pourrait aller sur l'ennemi, tout ça. Après là c'est pour rentrer là-dedans donc Ouais, c'est le plan. On dirait que ça va être fastoche. Si Batman est vraiment malade, il va faire des erreurs. Et on sera là pour lui apprendre à pas embêter le Joker. Salut Batman, est-ce que tu reconnais ma voix ? Victor Zsasz. Tout en os et en chair. Je suis ravi que tu te souviennes de moi. Moi je ne pourrai jamais t'oublier. J'ai préparé un petit jeu, Batman. Oui, un petit jeu rien que pour toi. Dring, 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 dring. C'est chiant. Il y a vraiment aucun indice sur là où elle pourrait être quoi. Bon, cette porte est fermée, c'est là où j'étais tout à l'heure. On a perdu une caméra dans le secteur 4. Il y a un truc à se faire sur ce bâtiment, c'est pas possible. Parce qu'on a toqué et puis le truc, le gars il a dit non non désolé, pas possible. Oups. Oh, attendez. Ah mais j'ai pas le truc pour geler, si. Voilà. Non. Ah, pute.
Je vous jure quoi. Le truc, on dirait qu'il peut s'accrocher là-bas, mais non, c'est R1 pour remonter quoi. Il y a quand même un problème hein, dans ce jeu. On va pas se le cacher. Bon, ça peut être moi aussi le problème, mais quand même. Bon, comment on va choisir qui garde le glaçon? Je la veux, c'est mon tour. C'est toujours à ton tour d'abord. Et si on jouait à pierre, feuille, ciseaux? On peut y jouer à trois, à ce truc? Bon, d'accord, allez, c'est parti. 1, 2, 3. 12 feuilles, comment ça s'explique? J'ai l'air d'avoir fait des études. 1, 2, 3. Le flingue bat la feuille. Non, le flingue bat pas la feuille. Respecte les règles. 1, 2, 3. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? De la dynamite. Mais bon sang. Encore. 1, 2, 3. Vous êtes sûr que ça marche quand on est 3? Ouais, on recommence. Attention, c'est Batman! Nora et Céline sauve. Je ferais mieux de prévenir Freeze dès que possible. Non, on voit pas à quoi il ressemble. Bon voilà, maintenant on peut aller voir les Jokers. Et du coup c'est tout droit. T'es pas venu dans ce quartier depuis au moins 10 ans. Ça craint toujours. Hé hey, Batou, c'est moi. Pendant que tu sauvais Miss Vale, j'ai pris la liberté de renforcer la sécurité dans mon assiette. Je suis vraiment désolé de devoir te l'annoncer, mais je crois bien que même toi, tu ne pourras pas y entrer. Oh, ça devient vraiment trop éprouvant. J'ai beaucoup de mal à t'imaginer mourir là-bas. Je ne cesse de te voir allongé dans la neige sans vie. C'est bien la seule chose qui me redonne vraiment le sourire. Ils vont le remarquer les autres, croyez? Non, ça le dit pas.
dirais plutôt que c'est un énorme tatou. Viens par ici. Par ici, il est passé par ici. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas pourquoi il a donné un coup de poing en arrière, il y avait un ennemi qui s'était ramené en arrière? Même pas, hein. Pourquoi il est parti donner un coup de poing en arrière? On les voit se déplacer, mais en... comme s'ils glissaient, les gars. Tellement ils sont loin. Bah, ils montent. J'ai trouvé quelqu'un! Allez, relève-toi! Oh, il est KO! Comment on va sortir, mec? Laissez-le! On a plus important à faire pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a? On a trop peur de se montrer? Le pire détective au monde, il y a la cape qui dépasse. Bon, c'est juste un sac poubelle. Par où on rentre? Comme l'autre fois? Je vais rentrer par la cheminée? La chaudière génère bien trop de chaleur. Ouais. Je dois trouver une autre entrée. Oracle, trouvez comment entrer dans la scierie. Voyons un peu. J'imagine que vous voulez l'itinéraire le plus dangereux possible. Pourquoi changer les habitudes? C'est votre jour de chance. L'autre chemin consiste à passer par les échangeurs de chaleur, au sud du bâtiment. Je l'indique sur votre carte. Ah, il y a une case de titan là? Ah ouais. On va se la faire. C'est pour ça qu'il est malade? Sans doute. C'est pas toxique ou... Arkham City est un nom. Pas, non, impossible. Faut juste obéir aux ordres et surveiller ce truc pour le boss. Qu'est-ce que Batman fout ici? Mais... Voilà. Putain, quand j'appuie sur triangle, j'aimerais que ça bloque et que ça esquive. Bon sang. Et là, ça le faisait très bien. Pas d'autres snipers. J'ai l'air d'être bon. Arkham City est à nous. C'est tellement gratuit.
Salut. Voilà. Tant pis. T'as entendu parler du protocole 10? Ça a l'air carrément flippant. Regardez, Batman est là! Je viens d'avoir mon père. On l'a convoqué à la mairie. Strange demande à ce que le protocole 10 soit activé d'urgence. Est-ce que Gordon sait ce qu'est le protocole 10? C'est la mesure de sécurité la plus extrême. Strange a dit aux membres du conseil qu'il n'avait pas réussi à endiguer l'utilisation illégale d'armes dans la prison. C'est lui qui les a fournis. C'était son plan depuis le départ. Ça semble être le cas. À l'entendre, les prisonniers planifieraient une évasion en masse, suivie d'une attaque de Gotham. Je vous recontacte plus tard. Je suis sûr qu'il fait exprès pour se faire passer pour un héros, un truc du genre. Ouais, il avait l'air d'aller bien, pas vrai? Ouais, comment c'est possible? Je l'ai vu hier et j'avais l'air complètement rongé par le poison. C'est la seule logique qui me vient à l'esprit du fait qu'il donne les armes. Il a trouvé un antidote ou quoi? Aux gens comme ça. Aux dernières nouvelles, les médecins pouvaient rien faire pour lui. Queen m'a même demandé de torturer une toubib pour qu'elle trouve un antidote. L'antidote. Je crois que je n'ai jamais été aussi bien. Vous devez sûrement vous dire comment est-ce arrivé. Pourrais-je avoir un peu de cet antidote? J'exige des réponses, bon sang, et vite! Oui, seulement voilà. Les réponses ne sont pas toujours très satisfaisantes. Il faut parfois savoir se préparer à être déçu, songez. Pensez à votre série télé préférée. Vous avez tout suivi, les hauts, les bas. Les coïncidences improbables. Et puis, paf! On vous explique tout ce que ça signifie. Ça vous fait plaisir? C'est quoi ce délire? Pourquoi est-ce que tout se termine dans ce délire? Au final, vous n'avez besoin de savoir qu'une seule chose. Je suis de retour. Et pour de bon! Alors prenez les armes, les gars. On a une évasion à organiser. Pas d'otages, pas de reddition. Je sais. Ça peut paraître suicidaire, mais écoutez, quoi qu'il arrive, je serai juste derrière vous. Désolé, crétin. Je ne peux pas décrocher pour l'instant. Je suis probablement en mission top secrète pour Monsieur J, alors je ne peux rien dévoiler, petit G.
Bon, laisse-moi t'expliquer ce qui se passe. Le Joker va gagner. Batman, il est là! Bon, ça va être à moi un peu de te torturer. Mais... C'est quoi ce bordel ? Oh, Batou, si seulement... Oh, ce jeu de merde ! Crois-moi, tu en mourrais ! J'appuie sur croix pour le sauver, t'as Batman qui saute dans le truc. Parce que croix, c'est aussi pour sauter. Qu'est-ce que j'aime ce jeu. Bon, laisse-moi t'expliquer ce qui se passe. Le Joker va gagner, et... Qu'est-ce que Batman nous dit ici ? Sûrement parce que j'appuie sur croix en avançant. Vous allez voir. En avançant, ça veut dire passer au-dessus des trucs. Le Joker va regretter d'avoir cherché double face. Qui l'aurait cru ? Batman m'a rien dedans ? Non. Ah, c'est peut-être un moyen de... Bug. Ok. Ah si, peut-être... ça. Ouais, mais j'ai pas de truc électrique, donc on s'en fout. J'ai piraté les caméras du conseil. Les conseillers reviennent. Ils n'ont pas l'air contents. Ils disent à Strange qu'il les a beaucoup déçus. Qu'ils n'auraient jamais cru que le protocole 10 devrait être activé. Mais ils lui en ont donné l'autorisation, n'est-ce pas ? Bonsoir à tous. Le protocole 10 commencera dans 30 minutes. Vous avez des ordres spécifiques pour cette situation. Suivez-les. Vous avez toujours besoin d'une réponse ? Bruce, je n'aime pas ça. Soyez prudent. Saute pas sur un truc qui disparaît. Mais de toute façon, c'est vrai qu'on a la tyrolienne. Moi je voulais le faire au fur et à mesure, mais bon. Je vois bien le truc qu'il faut revenir. Paraît logique. On m'avait déjà fait ce coup là.
C'était dans Arkham Origin qu'on avait déjà fait ce coup-là. En plus, c'était des trucs hyper chiants où j'étais mort plusieurs fois, là, ça rend plus facile. Faut que j'aille où là? Où faut-il que j'aille? Ah. Ah non, faut peut-être que j'aille simplement là-haut. Je suis con moi. Truc de Catwoman à récupérer en dessous. Ah ! Oh bon sang, c'est vous ? Je suis désolée. Ça va, tout va bien. Vous avez de la chance, j'aurais pu vous tuer avec ce truc. Croyez-moi, docteur, quand quelqu'un essaie de me frapper avec un tuyau, je ne lui laisse pas le temps de s'excuser. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai suivi vos conseils. Je suis restée cachée et j'ai gardé un œil sur leurs activités. Ils ont placé des choses sur le sol dans la pièce d'à côté. Je ne sais pas ce que c'est. On dirait que le Joker veut m'arrêter en posant des mines. Il a ses chances ? Est-ce que j'ai l'air inquiet ? Inquiet ? Non. Malade ? Oui. Vous avez mauvaise mine. Ne vous inquiétez pas pour moi. Retournez dans votre cachette. Je vais m'occuper des mines. Bon, juste un truc, je crois qu'on peut attirer ça. Ça sert à quelque chose ? Alors faut le pousser justement. Oh non, bon. Des mines. J'ai fait ce qu'il a dit. Ah, si t'avais pu voir sa tronche. C'est trop drôle, mec. Et après ça. Ce bandit est armé de mines de proximité. Évidemment. Regarde-moi. Ah, je pourrais pas le choper. C'est quoi le truc avec le Joker? Il va mieux, non? C'est un vrai mec. Cours par ici! Je m'occupe de la porte! Je suis sûr que ça venait de par là! Il racontait pas des conneries. Les mines explosent pas avec nous. Ouh, cool. Il y a un problème avec cette saloperie! Les mines fonctionnent plus! L'explosif est placé! Tout est paré par ici! Tu pourras pas te cacher dans le noir si facilement! Quoi? Hé! Hey, ça venait de par ici! J'en suis certain! Y'a personne sur celle-là! Mais où est-ce que tu te caches? Je meurs dans mon lit de savoir! Amorçage! Qui sera le premier à être cogné par ma salle? Voyons voir un homme à piqué-piqué-collé! Je m'occupe. Hein? Il a disparu, je l'ai perdu. On doit le trouver, maintenant. Le problème sont les mines par terre. Plus ça va, plus ils vont en poser. Comment tu vas faire si ces trucs sont plus là? On fait ce qu'a dit le Joker. Oh, tu crois que tu peux te planquer là-haut? On va voir ça. Ils veulent faire péter les trucs en haut. Oh, c'est mal barré. Ils se réveillent pas. Comment il fait ça? Laissez-le. On a des choses plus importantes à faire pour l'instant. Par ici. Je l'ai repéré. Il est par là.
faire, mais ça marchera pas. Et là. Où est-ce qu'il a pu passer? Est-ce que c'est le bruit d'une de vos trompes contre une pure vanature? J'espère bien. Vous avez entendu le patron? Va ici! Vite! J'ai trouvé quelqu'un! Bon. Et ben, sur ce, je vous dis à tous à la plus parce que j'ai eu une putain de coupure de courant dans tout le bâtiment. La petite vieille du dessous qui vient me voir. Ouais, monsieur Yuga, c'est, j'ai plus d'électricité. Est-ce que vous avez de l'électricité? Ce bordel. Je vous raconterai ça au prochain épisode. Allez, salut à tous, on reprendra le combat après.